Je suis dans la transformation des produits agricoles et aussi je commercialise les fruits de mer que j'importe. La transformation des produits agricoles tels que la mangue en chips, en confiture, les purées de betterave et aussi les chips de betterave. Je fais aussi les pommes de terre en chips. Bon, dans mon entreprise, je prends des femmes à temps partiel parce que c'est pas tout le temps qu'on produit. On peut produire par exemple une tonne de mangue. Pendant la période des mangues, on prend une tonne, on produit beaucoup pour qu'on ait des stocks. Les femmes sont payées en fonction de ce qu'elles font. Et souvent avec des bonus. Bon, actuellement, j'ai 3 employés permanents. Nos difficultés, c'est que les supermarchés et les grandes surfaces ne nous font pas confiance. Parce que nous avons un très grand problème de certification. Et au Mali, pour avoir les certifications, ce n'est pas du tout la tasse d'été. Et ça coûte extrêmement cher. Les emballages adéquats aussi pour nos produits, ce n'est pas facile. Et concernant les banques, on a d'énormes difficultés avec les banques. Parce que les banques aussi ne nous font pas confiance. Quand on demande des prêts, par exemple moi, je voudrais ouvrir une usine dans la région de Sigasso. Parce que la région de Sigasso produit beaucoup plus de produits agricoles et font beaucoup de pertes par manque de transformation. Donc une usine à Sigasso réduirait moins de pertes des produits agricoles. En même temps, ça permettra de développer, ça va jouer dans le développement et aussi, ça va créer des emplois. Ce qui est un grand, grand atout.